Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui du coup pour mes récompenses Rivals, plus tous mes packs de l'événement FIFA World Cup. Donc j'ai à peu près une dizaine de packs à ouvrir, les gars. On va s'ouvrir ça ensemble en espérant avoir quelque chose de bien. Donc on prend l'option 1, je prends toujours l'option 1, les gars, je prends toujours l'option des packs vendables. Non, on sait jamais. Donc, je dois avoir une dizaine de packs en tout. On va s'ouvrir ça tranquille. Hop, on met tout ça en vente. J'ai 750 000 crédits, donc j'espère. Ouais, après, je dois avoir beaucoup de packs bon vendable quand même. Donc on va s'ouvrir tout ça les gars, et puis voilà, on va essayer de chatter un peu, hein. Allez, c'est parti les gars. Donc ça, hop, on y met dans le club. Donc là j'ai deux cartes à 83 plus. C'est parti. Ça va, ça commence pas trop mal, on va dire. On va prendre Weghorst pour la note, hein. Je pense pas jouer avec, même si sa carte elle est pas trop dégueulasse entre nous. Ouais, c'est pas trop dégueulasse en vrai. En vrai, il a une bonne carte, hein. C'est juste bon. Voilà. C'est parti pour le deuxième choix. Non, bah, les gars, on va prendre Borini. Juste parce que c'est une OTW. Ok, bon bah ça c'est fait. Pas ouf. Alors j'ai 10 packs les gars. On va voir ce qu'il y a. Donc un pack joueur hors prime, un pack joueur rare, 2 joueurs notés 81 plus, 8 joueurs 80-84. Bon ça c'est pas. Voilà. Encore. 8 joueurs 80 plus, 5 joueurs 80 plus, 5 joueurs 84 plus, un joueur hors prime, un pack méga rare. Ok, c'est parti. On va s'ouvrir en premier les cartes 80-84, parce que bon, on s'en fout un peu. Ouais, je skip, les gars. Je skip. Voilà, c'est pas très intéressant, ça. On s'ouvre le deuxième. C'est pas très intéressant. On passe. Bon, un petit OTW, ça fait plaisir. Ok. Alors, on va s'ouvrir les deux joueurs notés 81 plus. C'est parti. Ça se lève. Check. Buteur. Tic. Ça va, ça fait des cartes pour les SBC, les gars. C'est pas. Voilà, dans ce moment, des packs 81 plus, faut pas s'attendre à grand chose. Ça va. On va s'ouvrir le pack 5 joueurs 80 plus, les gars. Allez. Ça se lève. Espagnol. Oh! Ça va, franchement, ça va, les gars. Pour le SBC, c'est pas mal, ça, les gars. Un petit Laporte. Moi, ouais, ça me fait toujours 13 000 crédits d'économiser. Ok. On s'ouvre le pack 8 joueurs 80 plus, c'est parti. Ça se lève. On entend. MC. Bon, c'est moins bien que le premier pack, malheureusement. Ouais, un 84, il y a 3,83. Écoutez. Toute façon, ces packs-là, faut pas s'attendre à grand-chose, hein.
J'espère vraiment avoir quelque chose quand même dans tous ces packs, ça me ferait chier quand même, rien avoir. Bon, qu'est-ce qu'on s'ouvre ensuite? On va se garder les échangeables pour la fin, je pense. On va se garder celui-là pour la fin aussi. On va s'ouvrir le pack Joueur Prime, les gars. Allez, c'est parti. Ça se lève même pas. Les packs Joueur Prime, je trouve que c'est les plus éclatés du jeu, les gars. Là-bas, c'est des packs qui coûtent quand même 45 000, il me semble. 45 000 crédits, purée, 40. Mais vous imaginez, vous mettez 45 000 crédits pour avoir ça, là? C'est horrible. Hein. Déjà que les cartes, elles valent rien. On va s'ouvrir le deuxième joueur prime, cette fois c'est un échangeable. Alors j'espère que je vais avoir plus que 83 quand même. Une animation, ce serait pas mal. C'est parti. Vas-y, c'est quoi ça? C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ouais, écoutez, on va le mettre en vente. Hein. Petit Suarez, hein. Je suis désolé pour toi, mais bon. Je suis pas content de te paquer, quoi, gros. Non. Je suis pas content de te paquer. Bon, bah, les gars, il me reste 3 packs, hein. C'est chaud. On va s'ouvrir le pack joueur rare parce que c'est le nom échangeable. On va finir par l'échangeable à la fin. Enfin non, on va finir par le pack 5 joueurs 84 plus à la fin. Donc on va s'ouvrir le pack joueur rare. Allez, s'il vous plaît, une carte spéciale. Toujours pas, ça se lève, c'est déjà ça. Oh, Schmeichel. Mais sérieux, un pack à 50 000, les gars, un pack Schmeichel, mais sérieux, mais. Putain, mais les gars, par contre, mais surtout, n'achetez jamais des packs dans ce jeu, n'achetez jamais des packs. Mais ceux qui mettent de la thune, du vrai argent, je parle là, hein, donc un pack joueur rare, je crois que c'est quand même. Je sais plus combien c'est, je vais aller voir ça tout de suite, en termes d'euros. Je sais pas combien c'est en termes d'euros. Mais ouais, c'est affolant, hein, c'est affolant. C'est 10 euros. Ouais, voilà. Vous mettez 10 euros. 10 euros pour avoir Schmeichel dedans. À la tête de ma mère, je me fais rembourser, les gars. Bon, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Bon, on va s'ouvrir le pack méga rare. Voilà, j'ai l'impression que ça va être n'importe quoi. Ah, c'est une carte filière. Bon, ça se lève pas, donc ça va pas être ouf. Garrido, pardon. Ouais, ok. Celui-là, je crois que je l'ai déjà. Hein. Bon, après, c'est vendable. Pas de doublon, j'imagine. Ouais, non, ok. Bon. Voilà, qu'un petit OTW dedans. Bon. Pas trop pourri, même si c'est pourri. Ouais, ok, autant le vendre en vente rapide. Hein. Oh, par contre, ouais, on va pas s'affoler non plus. Ok, lui, par contre, on va pas le vendre en vente rapide parce qu'apparemment, ça coûte un peu plus cher. On va le mettre à 11 250, c'est parfait. Bon, ça me fera un pack à 20 000. Ouais, 20 000, c'est quand même 2 fois moins que le prix du pack, hein. Il coûte 55 000 à la base, je tiens à le rappeler. Donc, est-ce que je suis content? Bah, d'un côté, oui, parce que ça me fait un peu de thune. Mais d'un autre côté, encore une fois, les gars, si vous achetez le pack avec vos crédits, vous êtes totalement perdant. Hein. Totalement perdant. Ouais.
Bon, je mets les petits contrats en vente, hein, toujours des crédits de plus. Ouais, on s'en fout, ça je suppose que ça vaut rien. On s'en fout. Oh! Oh! Est-ce que c'est normal ça? Écoutez, on va tenter, hein, on va tenter de le mettre à 2000. À 2003, allez, si ça part, ça part, hein. Les cuissons de Liverpool. Ouais. Ok. Ouais, on le vend comme ça, on s'en fout. Rashford, on va le mettre à 1100. Hop. Wan-Bissaka, on va le mettre à 900. Hop, c'est parti. Et du coup, il va nous rester le dernier pack, les gars, 5 joueurs 84 plus. Bon, bah, ce pack opening aura pas été ouf du tout. Il nous reste une dernière chance avec ce pack-là. De toute façon, c'est pas vendable. Donc voilà. J'espère quand même avoir une petite carte spéciale. Et pas avoir que des cartes 84, 85. C'est parti, les gars. C'est pas spécial. Je suppose que ça va être une carte bidon. Voilà, du 85. C'est la double. C'est la double, les gars. On va les mettre dans les SBC, hein, tout ça. Voilà, c'était sûr. C'était sûr. Je sais pas si c'est moi qui a pas de chance, les gars. Je sais pas si vous aurez mieux que moi. En tout cas, tout ce que je me dis, c'est qu'au final, je me suis cassé les couilles, ouais, pour le dire, avec ce putain de truc de World Cup, là. Et au final, la merde. J'ai eu pas mal d'échos aussi de la part de mes collègues que c'était de la merde également, ils ont rien eu. Vous me direz dans les commentaires si jamais vous avez eu des choses bien, les gars. Moi, personnellement, je m'en doutais un peu que ça finirait comme ça. On va ouvrir sur le pack prévisualisation, là, quand même. Oh! On va le prendre, hein? On va le prendre. Ouais, bah écoutez, on le prend, hein, c'est parti, 7500, ça me fait un petit bénéf. Ouais. 17 000, 15 000, tac, 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 tac. Ok, bon, écoutez, on va le vendre à 13 500, ça va partir. On va s'en rouvrir un deuxième du coup, pour la peine. Bon, ben voilà les gars, ce sera tout pour aujourd'hui. Au final, je me suis fait quoi? Ouais, si je vends le fouet, 30 000 crédits les gars. 30 000 crédits. 30 000 crédits dans 10 packs. Bon, sachant que j'en avais 3 d'échangeables, hein. C'est pas ouf du tout. C'est pas ouf du tout. Bon, bah voilà, les gars, ce sera tout pour aujourd'hui. Bon, bah, c'était pas fou, hein. De toute façon, on s'en doutait un petit peu. Voilà, on se retrouve bientôt pour. Là, je vais faire mes qualifications play-off. Logiquement, je devrais les gagner. On se retrouve très prochainement pour soit une vidéo d'achat-revente, soit pour mes récompenses fut champion, qui je l'espère seront un peu meilleures que celles-là. Et puis voilà les gars, donc je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à m'ajouter sur Snap comme d'habitude les mecs. On est déjà plus de 500 sur Snap, donc ça fait plaisir les gars. Merci pour tous. Si vous voyez que je vous réponds pas tout de suite, c'est normal les gars parce que j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent sur Snap, mais en général j'essaie de répondre à tout le monde. Voilà. Et puis voilà les gars, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, n'hésitez pas à laisser un like s'il vous plaît, ce serait plaisir. N'hésitez pas aussi, vous savez que vous pouvez maintenant, à partir depuis hier, vous pouvez me rejoindre sur la chaîne pour 1,99€, vous pouvez rejoindre la communauté. Donc c'est pareil, je ferai pas mal de vidéos, pas mal d'astuces dans l'onglet communauté. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, c'est 1,99€ par mois. Je sais que tout le monde ne peut pas le faire, donc je force personne, hein, les gars. Hein. Donc voilà, c'était juste pour vous prévenir. Et puis on se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo, soit de l'achat-revente, c'est possible, soit mes récompenses futurs champions. Allez, bye les gars.